sont de retour, sur les clochers des alentours, et les gens de nos ailes. Tu veux que je te fasse un bon grog? Non, je veux pas de grog. Ben ça m'étonne. Tu préfères un vin chaud avec une rondelle de citron et de la cannelle bien sucrée? Je veux pas de vin chaud. Oh, ben ça m'étonne aussi, mais alors qu'est-ce que tu veux? Je veux rien du tout. Eh ben garde ton rhume, après tout, c'est toi qui se fousse. C'est pas un rhume que j'ai. Ben alors qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fonction de poitrine, une grippe, une congestion pulmonaire ou une pneumonie, tiens. Que l'été dernier, tu me disais que tu étouffais dans tes robes de lainage. J'ai dit ça, moi? Oui. C'est possible. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. L'été dernier, il faisait tellement chaud que je suis restée à l'intérieur en tablier. Mais ce n'est tout de même pas parce que j'ai eu chaud l'été dernier que tu es malade maintenant. Un homicide, peut-être? Mais de quoi tu parles? C'est pour ces morceaux de tissu que t'as mis ma canadienne en gage et ça en plein hiver. Bah, tu ne la portes jamais. Ben, tu porteras pas ta robe à fleurs. Ah bon, mais pourquoi donc? Parce que tu seras en deuil. Mais de qui? De mon Dieu, de qui? De moi. Mais arrête de dire des bêtises. Des bêtises? Je suis à l'article de la mort, elle appelle ça des bêtises. Tu pourras la teindre noire, ta robe à fleurs. Voilà tout ce que tu auras gagné pour une coquetterie. Ah, une coquetterie. Alors j'écoute. Ah mais c'est pas qu'il est troublé, lui. Alors. C'est la cata. Bon allez, ta canadienne, voilà. Tu ne l'as portée qu'une fois en 10 ans. Voilà. Elle commençait à être infestée de mites. Et de plus, elle prenait de la place dans la garde-robe. Oui. Alors j'ai cru que tu ne la porterais plus, cet hiver du moins. Madame, elle a cru, hein? Madame a cru. Madame, vous êtes une criminelle. Ils sont arrivés. Qu'est-ce que tu attends pour prendre un bain de soleil et aller te faire bronzer? Avec tout l'instructionnement que l'humanité a acquis, ça continue à vivre comme les sauvages, hein? Avec des croyances du Moyen-Âge. C'est pas désolant, ça? Mais les cigognes sont arrivées.